Et ben le radiateur a claqué. Radiateur, un gros trou dedans. Et Comme quoi l'aventure ça commence au pied de la maison. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour galérer. C'est éco-friendly hein, évidemment. Et du métal 5. Ça vous fait quoi de partir en hiver de Bretagne? Alors que t'as tous les copains qui prennent l'avion et qui vont au chaud. Nous aussi on part en voyage, mais on part dans le froid encore plus qu'en Bretagne. Et un endroit où il y a encore plus de vent et encore plus de pluie. Ouais. Heureusement, Loïs nous a fait un poêle de la mort qui tue, à partir de 5 petites bouteilles de gaz. Et dedans, c'est isolé avec du ciment. Il y a à peu près 1,5 cm de réfractaire pour avoir l'inertie. Il y a un tirant devant, et puis ça c'est des essais, des tirants arrière qui devraient booster le feu, si c'est humide. Et Théo nous a installé une bicarburation, avec un petit réservoir supplémentaire pour démarrer le Nigloo au diesel. Une fois le moteur chaud, on switch vers le réservoir principal à 100% d'huile, quelle que soit la température. On ne choisit pas le gasoil au matin en démarrant, c'est qu'on le choisit le soir avant de l'arrêter, pour purger tout le système d'injection. Ok. Il nous reste de l'huile de frites basque et on a un plan pour de l'huile de fish and chip sur zone. Et donc on se retrouve dans un grand bateau avec pas grand monde, avec aucun surfeur, sauf un mix entre l'ESB et le 29 Food. Un quart de bigoudin. Un quart, ouais. Le quart de Pierre, là, le Commodore. Donc là, on fait la course avec... Je pense qu'on gagne, hein. On va arriver avant eux au spot, là. On traverse tout le quand même d'un coup, là. Cette nuit, on s'est bien fait remuer, donc c'est gros Séoul, gros vent. Et en gros, on va aller dans une baie, s'abriter. Alors, je dis plus les noms des spots, comme ça t'évitera de mettre des bips partout. Moi, j'aime bien. C'est la nouvelle technique de Théo. Et là, tu pompes. Faut juste voir en fin de bilan s'il n'y a pas trop de morceaux de piquette sur le parking de la station essence locale. C'est quoi ça? Seulement. Ouais, c'est bien. Merci les gars. La dalle mec, situation d'urgence, ça c'est avocat couscous. C'est les plats locaux. Nono, ce qu'il nous a acheté, c'est l'écusson de Poudlard, Harry Potter. Et Nono lui a pris Batman. Là il fait 3 degrés dehors. Oh putain, la vitesse où ça chauffe, c'est dingue. 3 degrés. Donc autant vous dire qu'à l'intérieur il fait 4 degrés. On a testé le poêle et on voulait rester sur le spot là-bas, sauf que les vagues sont bien et pas top. On a eu la bonne idée de bouger, sauf que il y a toujours le poêle en marche quoi. Donc on est à la station Donc service. On est à la station service avec. C'est une cata. Ça paraît pas très safe. C'est typique. Hein. C'est ça la vie d'artiste. Ah putain Nono. Aime la lumière va. Oh, mais qu'est-ce que tu fous putain? En fumée c'est tout hein, ça arrive hein. Là, tu fais le feu chez toi, Ils sont en train de se baigner en maillot de bain. Bah je sais pas, il est 19h quoi. Ah bah ça me donne pas envie hein. Clac. Hop. C'est bon.
dans mon blocos noir. Un chaker. Même pas, j'ai un demi chaker. Un mini chaker. J'ai un mini chaker. Entre le nez et le plafond. C'est, faut pas faire un cauchemar et faire paf. Non, mais parce que t'as assez de quoi toi. J'ai peur d'avoir trop froid. Là. C'est abusé. Il est 15h30. La journée pliée. Puis comment il monte pas haut le soleil, c'est fou quoi. Il reste à l'horizontale. Apparemment, c'est pas commun la neige en comme ça. Ouais. C'est un hiver très exceptionnel. Elle est pas si froide l'eau hein, par rapport à l'air extérieur. C'est une bonne diff. C'est pour ça que tu laisses les mains dans l'eau là. Parce que là, extérieur, il pique. Surtout dès qu'il n'y a pas de soleil, hein. Tu perds 10 degrés. C'est Benoît qui m'a fait ça. Et elle est dingue. En fait, j'ai très peu surfé. J'ai essayé ces gros fins là. J'avais jamais surfé non plus. Les résultats des courses, bah, elle m'a aidé à passer les sections. Tout ce que je lui demande, elle a peut-être. Bah en fait ça dérape grave. C'est vraiment rigolo. Ouais. Si ça dérape, c'est fou. Ouais. C'est sympa, hein. Franchement c'est sympa à surfer. Hein. Bonne bande. Très content. Enfin, un feu qui chauffe au taquet pendant plusieurs heures. Pour qu'on puisse ouvrir les portes et que ça crame la peinture. Et après j'espère que le soir on pourra fermer les portes et avoir chaud. Le poêle il sert pas à grand chose. Pourtant il a 400 degrés mais obligé d'ouvrir toutes les portes parce que sinon ça sent le fromage chimique, le fromage. On sent que c'est pas bon respirer. Et du coup ça fait 3 jours là, nos fringues, tout pue de ça et... Ça caille hein mec hein. On savait hein, mais pas à ce point. Et coupé. Hier soir. Mec, moi je t'ai vu bondir du siège, je comprenais pas. Et en fait, le bon plat que tu le mets une heure à préparer, l'autre il met son gros cul dessus. Et il s'est cramé le fion en passant en plus. Mais j'ai une tache alors. Mais ouais, t'as une belle tache. Je chasse du gladu à la recherche lui-même de vagues. C'est vrai? Ouais. T'essayes de pas t'asseoir dans ton assiette ce soir. Oui! Des jours de pluie, je mets toujours mon cœur à l'abri. Il pleut dans la chambre de Wanwan. Ça fait des bulles. Des jours de pluie, je mets toujours mon cœur à l'abri. Oh, y'a une caisse qui arrive. Fuck! Mais non. Si, si. Les
aller chercher du bois pour mettre dans le poêle. Dans le poêle. Parce qu'il fait méga froid. Le vent a tourné en 30 secondes, ça fait waouh. Je suis dégoûté. En fait, on est au spot d'hier, le vent il devait pas être bien. Donc on est ailleurs. Et ce matin, on s'est réveillé, en fait, on a vu qu'il était bien. Donc on est arrivé. Je me suis changé. Le grain est arrivé. Le vent a tourné. Et voilà. Et le plan d'eau est claqué. Le plan d'eau est claqué. Je crois que je mets mes bouchons d'oreille pour ça, pour conduire. Que j'ai mis mes chaussons de rallye. Et mon petit déj, en même temps, je gère la circulation d'air. Regarde ça. Fais le boudin, le machin. Oh la vache, je suis pas sortable. Là, franchement, je peux rien faire. Riz, lentilles, petits morceaux de lard avec 3 œufs pour pouvoir rester campé dans le camion et pas dans l'eau, tellement c'est claqué. Un gros cam qui arrive à 200 à l'heure derrière. Et là on cherche un spot que t'as repéré il y a des années. Sauf que tout est privé ici donc faut qu'on aille demander. J'ai rien compris à ce que disait la grand-mère. Oh ouais, nous enchaîner là. Oh, laisse mais... tomber. Et c'est super sympa. Et après nous enchaîner sur le taureau et on sait qu'il y a un taureau mais je sais pas s'il faut prendre notre plus beau drap rouge. Qu'est-ce que c'était une bonne idée ces putains de bottes là. Et là si le taureau il arrive là, comment tu fais? Tu crois qu'il passerait ça? Et toi, tu crois que tu passes ça? Bah peut-être pas, il y a peut-être même un espèce de petit canal avec de l'eau, de la glace et piège de cristal aussi. Le merguez, c'est comment? Faire attention au robignol quand même. Hein. Ou quoi? Petite robignole. La robignole. Magnifique. Hein? Ah, j'ai le cul trempé. Ah, oui. Oh, joli. On a eu le tournage, faut changer de jean, fond de cheveux gladu. On continue? On a 3-4 jours à passer encore. Vas-y. Ah, t'es bien là? Ça va sécher vite, tu vas avoir le soleil dans le dos. Pour ce taureau, il va apprécier. Regarde, teste un peu. Bien. Ah ouais. Que dalle, je passe pas par là. Le reste, on s'en fout. Prends la mallette. Attends, je suis froid. Tu vas? Voilà, ça. Il y a plein d'eau, hein. T'as oublié qu'on n'est pas des bodyboarders, toi. Ni des Australiens. Regarde ça. C'est parfait, le bol, là. 7, 8, 9, 10. 4 heures pour se prendre un fly. Combien? 1,6 km? Ouais. 4 heures. Bah, c'est bien, ça. Allez, il y a French. Yeah. What he did, what he did one day before. Yeah. Yeah. Alors t'as tout compris ce qu'il a dit? Je comprends rien du tout. Je fais oui oui, non non. Je te regarde dans le blanc des yeux, désespéré pour. Je comprends rien. Et personne ne comprend rien donc. Allez, voilà. Super. Yeah, please. Please. Yeah, tout, I'll watch him. Peace fruit, you like peace fruit? So. How much do we owe you? We 5 riyali. How much you tell me? 5 riyali. Wow. France is playing England next Saturday. Against who? England. England. Yeah. Oh. So you're going to root for the English or for the French? I'll root it out. Have a good day. Bye-bye. Bye-bye. Bye.
Chaud, ouais. Bah, j'ai 2-3 couettes. Parce qu'en fait, t'as surtout plus la place d'en mettre une quatrième. Il est 6h30 du matin. Bon, vu que le poêle marche bien, on fait du feu le matin aussi. Vu qu'il fait à peu près moins de 8000 dehors. Il fait très froid dehors, ouais. Putain, je suis allé pisser à 3h du matin dans le vent. Avec ma petite nouille. C'est quoi cette souffrance gratuite? Moi, je bois plus de tisane le soir, les garçons, hein. Le jour se lève, on est devant des vagues, c'est passé vraiment en spot, c'est le moment de l'observation, la galinette cendrée. Bah, le lever du soleil, ça fait une demi-heure qu'il dure, toujours pas levé. Ah, elle tient. Ouais, il y a vraiment un truc là. Bon, allez, une belle vague. Hein. Again. Franchement, il y a un spot là-haut. Bah, vas-y. Hein. Ouais, c'est une belle vague, ça. Hein. Regarde ça, là. Le pic, qui pète au même endroit. Wow. Ça pète exactement la même manière, la droite. T'avais des vagues ou quoi, quand même, un peu? Putain, voilà, tu connais pas la vague? On aurait dû se mettre une heure plus tôt, c'est qu'on savait pas que c'était un spot. C'est comme ça qu'on apprend. Je suis content, j'ai pas pété ma barre déjà. Moi, j'étais tôt ce matin, parce que le vent devait tourner. Et du coup, j'ai surfé, je sais pas, plus de 2 heures, c'était pas top, c'était compliqué. Et je suis sorti. Et en fait, là, la houle est arrivée, le vent est resté bien, il s'est même mis mieux. Nono est arrivé, deux locaux. Et là, c'est devenu mais parfait. Et voilà, moi j'ai quelques bonnes, je suis content. Faut dire, j'ai bien insisté, hein, je suis resté 5 heures dans l'eau. Et Nono est colère. Nono, oui. Franchement, je suis dégoûté. Je suis frustré, je suis au bout du rouleau. Justement, je suis pas dans le rouleau, je suis au bout du rouleau. Je suis jamais dans le barrel, je suis toujours devant, je suis là. Et essayer de freiner en mode frein à main, là, je fais plus de body surf avec mon cul que je suis sur ma planche. Et j'arrive pas à me mettre dedans, là, sans déconner. Franchement, je suis frustré. Et tu nous as fait une belle luge aussi à un moment. Ouais, par contre, j'ai gagné la compétition du plus beau saumon. Des guillotines avec la lèvre, la tête la première. Je sens les pieds passer dans la lèvre comme ça. Je vais au fond, je tiens les laminaires, je suis là. Ouh. Mais par contre, en termes d'efficacité dans la vague, merguez maillot. Sa mère, je suis dégoûté. Ah, et là, la combi, je sais pas comment il fait dehors, mais. Ouais, là, il fait froid aujourd'hui. Hein. Deuxième fois que j'en suis de la matinée. Ah, c'est marathon, là. Thank you.
J'étais à l'eau 8h ce matin, il est 14h, je sors de l'eau. 12-13 heures de surf en 3 jours. J'ai pas fait souvent ça. Hein. C'est en Patagonie, je crois que c'était de la dernière fois. C'est un terme qu'on apprend quand on passe la trentaine. Surf out, ça veut dire que t'as trop surfé et que t'en peux plus. Voilà. Je pense que je suis arrivé à ce stade-là. On va chez John qu'on a contacté via l'internet. Et qui récupère et fait du biodiesel avec de l'huile de friture. Et en gros, c'est dans le pays, c'est le seul gars qu'on a réussi à trouver qui faisait ça. Ici, il n'y a pas l'équivalent de Roule ma frite, pas d'association pour résister localement. Une grosse boîte a fini par prendre le monopole de toute la récupération d'huile de fish and chip du pays. Heureusement, John a encore plein de stocks d'huile usagée, mais il habite au centre du pays. Voilà, l'idée, c'est d'aller faire le plein, de remplir tous nos bidons. So you don't do any biodiesel anymore? No, no. Just design and build biodiesel processors. But I still have about 1,000 liters of oil, just from a couple of local restaurants. Mm-hmm. You know? Okay. There are now permits and regulations about waste oil. It's much more difficult to collect now than it used to be. So the government don't want do that. No. And what do you think about the company? They're actively against people using oil in vehicles, you know. Is it legal here or is it... Really? No, it's not at all? No, it's not. No. What is name? Ripley. Ripley? Yeah. J'adore. The Citroen 2CV, De Chevaux. De Chevaux, yeah. But redesigned by you. Yeah, we built it a few years ago. The engine, gearbox, all the suspension wheels, everything. Is 2CV, but just one wheel at the back. And here as well as is an air driver. Alright, that's clever, isn't it? Yeah. Well, it was great to meet you. Yeah, thanks a lot. See you. Thank you, John. Yeah. And if you're back, call in for some. Yeah, we will. Bah là, je crois que plein d'huile à 100%. Là, je peux la faire. Faut que ce soit chaud, faut que tu chauffes, éteins un peu le moteur. Starter. Pourquoi t'as pas de patate hein? Bof, sentir un petit coup de mou. Là, c'était un bout de frite qui est passé dans le moteur. Donc. Faut bien accélérer à ce moment-là. J'essaye. Ouais. Non, mais j'ai perdu complètement le contrôle. Comment ça? Ah non, mais y a un truc qui va pas là. Bah vas-y, arrête. J'essaye, j'appuie à fond sur le frein. Ah ouais. Je pense qu'on va aller au garage le plus proche, avoir l'avis d'un professionnel que nous ne sommes pas. Bonne cloche. Il y a le mécanicien qui vient de monter avec notre pilote, faire le tour du quartier, parce qu'évidemment ça fait plus le bruit là. C'est clair que ça fait 15 km, il y a du bruit, et quand le gars arrive, on passe pour des cons parce que ça fait plus. Une bonne nuit sur le parking nous attend. Il y a 3 webcams sur la place de l'église. À quelle heure les flics vont arriver dans la nuit? Entre 2 et 3 heures du matin. Pile poil pour nous casser les couilles. Au vu de la fumée, peut-être avant. Hein. Ça fait 2h30 qu'on arpente les garages du quartier. Ils sont tous busy. Et après, la pièce n'est pas facile à trouver. Vu que c'est un Renault Master old school. Bah là,
alors comme ça, on est sans ceinture au téléphone, monsieur Jacob? Ouais. Au volant? Oui, pourquoi? Ça se passe bien? Ça se passe plutôt bien, le petit Niglo conduit tout seul. Les yeux fermés, mon gars. Tiling. Arrête, arrête, fais pas le con. Et la blague! Oh, c'était nul! Bon, du coup, on a de la chance, hein. On a fait marcher les contacts des contacts et... on va nous déposer, le dépanneur va nous déposer pile poil en face du spot. Et du coup, bah, on va rester immobilisé, mais au moins on sera pas perdu au fin fond du trou du cul. Notre contact, c'est Tom Knox, un waterman, comme disent les jeunes vieux ou les vieux jeunes. Bref, un surfeur à l'image de son territoire. En ce moment, il est très occupé à retaper une vieille ambulance qu'il rêve de conduire jusqu'à Nazaré. Mais la route est encore longue. Ouais, on a trouvé un réparateur pour réparer sa patte. Et on accueille un invité surprise, Vincent, qui est venu nous voir ici. Qu'est-ce qu'on fout ici, quoi? Toi, garage. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je la bouge pas, mais putain. Non, j'arrive du Brésil, j'arrive au milieu de rien. Il y a rien. Il y a vous, il y a un garage, le gars, de super pote, t'es chez lui. T'as pris des bottes ou quoi? Non, j'ai pas de bottes, mais j'ai les Adidas en caoutchouc, ça devrait aller. Do you? And what do you see? Rester sur le côté à regarder, c'était ouf, hein. Il y avait les barrels, mon gars, ils s'étaient vu passer, tu mettais un camion, tu mettais le van, le Volkswagen, ouais. Il rentrait easy, quoi. C'était pas facile à aller dedans, hein. Ouais, c'était pas évident du tout, mais t'es sur le caillou, tu vois, Tom, il a compris, sur le caillou. Mais laisse tomber, en fait, t'as l'impression qu'il y a 1m20, t'arrives, il y a 2m plus, la houle, elle est pas bien orientée pour le spot, ça lève à gauche, ça lève à droite, on avait tous, mais même le local, il a ramassé, mais plus que tout le monde, et on voyait quand il démarrait sur les inters, hein. Alors qu'il a surfé, mais grave plus de taille, il était oh non. T'es là, putain, mais même lui, chie dessus, mais nous alors? Hyper intimidant, franchement. Mais c'est qui est passé à moitié au-dessus du riff? Bah, c'est lui! Ah, c'est lui! Mais ouais, qui a fini dans le non-lagon là. Mais lui, il a fait que ramasser là, le Tom. Hein.
Tu sais, il prend sa vague, elle était trop belle. Ah, tant, je pense qu'il a dû faire, je sais pas, il est resté bloqué dedans. Il s'est retrouvé sur les cailloux, il m'a regardé en mode en panique. Le leash était genre 3 mètres plus loin là au van, tu vois. En, ça se voyait qu'il était enroulé, il était en train de tirer, ça marchait pas, il en a pris deux dans la tronche. Yeah, but I was like strung out on my back, stretched out like 10 foot of a 6 foot leash, stretched out, completely stuck. I'm getting washed over, pull back, washed over. I was trying to pull myself along the leash. Yeah. To like get closer to the board to be able to actually get it off, but it was so stretched that it was so tight it just wouldn't come off. Fuck. Yeah. C'est dangereux. I was pulling, pulling. Et tu vois, je l'ai vu enlever le leash, il s'est fait sucer en dessous, il s'est retrouvé derrière, derrière les rochers, tu vois. Il m'a fait des signes, c'est bon, je rentre à la nage. Et du coup, je regardais où était la board, je voyais Nono en bas, il était en panique. Qu'est-ce qui se passe? Puis en fait, je la vois dans les rochers avec le leash bloqué, la board qui fait bim, pff, bim. C'est là, oh putain, la pauvre board. Du coup, je fais, bah, je vais tout donner pour essayer. Sauf que c'est pété de jus. Et elle était bloquée dans, la, au, dans les cailloux au bout de la pointe, pile poil devant le pic. Et mec, moi, j'étais pas serein là-dedans. The leaf stuck in my board. Oh, look, extra traction, you know. C'était solide quand même. Hein. C'est ça qui t'a mis en confiance alors. Dream of a land my soul is from. I hear a hand strong on the drum. Shades of delight. Go, go, you. Reaches the night. Afro, Afro blue. Elegant boy, beautiful girl, dancing for joy. Delicate word, shades of delight. Reaches the night. Afro, Afro blue. To your lover's feather face, with undulating grace, the gentlest weather step away to some secluded place. Shades of delight. Go, go, you. Reaches the night. Afro. Enfin prêt, on a récupéré la pièce, on s'est fait le livret, on l'a envoyé hier au garagiste et il l'a mise en place, sauf qu'il n'est pas là ce matin parce que c'est aussi un postier. Qu'il fait 0 degré, que le pare-brise est gelé, que la dernière fois on est tombé en panne d'essence à 10 mètres à l'entrée du garage. Sauf que le moteur était chaud, on a switché sur l'huile et c'est reparti. Là on va essayer de démarrer sur l'huile à 0 degré, donc normalement ça marche pas. Vas-y. Ah. Yeah, yeah, for sure, man. Sick. Oh, definitely. That's cool. I'll treasure that. But thank you for everything, all the tips, the, yeah. Oh, it's been, the guiding. It's been great crack, boys. Yeah. I can't wait to do more of it, right? Yes, yes. See you soon. Yeah, yeah, fact, boys. You.
replace shades of delight. Call, call you rich as the night. Afro, afro. Le sable est gelé, quoi. Écoute, le sol est gelé, donc au moment où j'ai posé les bottes, j'ai fait un beau plat sur le dos. C'était magnifique. Et j'ai la porte qui me survenue, qui est venue se claquer, qui m'a tapé dans l'oreille. Ah ouais? Ouais, autant te dire que le poignet a pris un peu cher. Quoi. Moi, je t'ai vu disparaître en ce moment et la porte qui s'est refermée. T'as eu Kepa? J'ai eu Kepa. T'es motivé à nous rejoindre. Cool. Et donc, il arrive demain. Comment ça, il arrive demain? Il arrive demain et... Demain? Oui, c'est la magie de l'avion. Oui, demain. Sérieux? C'est la magie de l'avion. Bon allez, vas-y, mets ça dans le coffre. Sur le lit de qui? Until it's not a dream. To all you and me. Shades of delight. The last year I flew, I did 18 long haul flights in 3 months. I didn't stay in a place more than 5 days. Wow. Yeah. 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 Now I haven't left for 12 years. So yeah. Okay. Like all the guys I travel with, that's what they do. And yes. They still do. Yeah, they yeah. do 100 flights a year. Yeah, oh, yeah, no yeah. way. Yeah, when you're chasing swells. Yeah, that's it. A swell lasts 3 days. Yeah. You arrive the day before, you surf for 3 days, you might stay a day, and then you look for the next one. And yeah, that's it. And that's it. Yeah. You can do that year round. Yeah. There's always a swell somewhere. Yeah, exactly. That's crazy. I used to wake up in the morning and go, Fiji, Tahiti, yeah, Australia, and then, oh, Tahiti's worth it. It was bizarre, completely yeah, unnatural. Yeah. But the crazy thing is the more you do that, yeah. the more you get paid. Mm. So they reward you for doing it more. So there's no incentive to do less. There's no one saying, slow down and we'll pay you to do less. Bio, qu'on poussait avec amour sous la laine de mouton. You know, we started here with nothing. There was no roads, there was no infrastructure. Crazy amount of work and not enough money, but yeah, it's a nice lifestyle. Veg, some eggs, some meat. We sell only around here, we don't drive. It's kind of cool because you've got loads of stuff in the summer yeah. and when the restaurants are busy and then the restaurants stop and then the markets keep going all year and the boxes keep going all year. It's uncommon for a Westerner, but the majority of the world works at this. Like most of the world still labors and works and grows their own food. Oh, that's for you. Oh, thank you very much. Oh, pleasure. Straight from France. Yeah. Come from France, but we buy it here. Thanks for your time. No worries. Le poêle ou le poêle? Alors apparemment, le poêle, c'est que en Bretagne. Et le poêle, c'est dans le reste de la France. Selon la légende. Très bon bœuf de monsieur Ferguson. Fait revenir avec du vin espagnol. D'où le fait qu'on ait plus bu la bouteille que le... La viande a eu le droit au vin. Bon, voilà. Ouais, là, autant on a eu froid les semaines d'avant, mais là, on a passé un cap, là. Moins il fait combien? Moins 2. Une bonne vague de froid qui arrivait sur toute l'Europe. Il fait moins 5 dehors. Moins 5. Et depuis que t'as fait du feu, il fait 14 dedans. Sans te dire qu'il fait trop chaud, quoi. 3 degrés au réveil, moins 5 dehors. Faut essayer de rester plus longtemps sous sa couette, le temps qu'il y en ait un des autres qui se motive à faire feu. Moi je suis à la chaudière. C'est ça. Nono est dans la cuisine et maman sort de sa chambre. Voilà, ouais. Exactement. On est parti. Il y a du temps à chauffer, hein. Tu dérapes là. Sans blague. On est au cliff. On est au où? Le cliff of Molière. Et ce magnifique étron rocheux. Un paquet assez gros. Comment on va faire pour se tuer la cuisine? Hein? On doit faire à bouffer! Paquet. Et dedans, t'es pas? Il est dedans, ouais! Allez, réveille-toi! Et quand Kepa il a vu qu'il y avait 4 heures au GPS et qu'il a vu qu'il roulait à 30, il a vite fait le calcul et il s'est dit, je pense que l'option c'est d'aller près du poêle derrière sous la couette.
moment of the day. The best moment of the day right now. Ahora. Vamos a la playa? The only Spanish we know. Vamos a la playa? A tomar el sol? Si. No, it's actually okay, but... You need someone to help you. Yeah. Maybe I can push you for the takeoff yacht. So you're gonna take your 7-2? Yeah, I think so, yeah. Much easier. Oh. Oh, sorry, I forget. No, never more, eh? Yeah, yeah, sorry. Ah, à l'avant ça va bien. Ok, pas style. Oh, luge. Luge. Luge, luge. Le gorille. Oh, oh, position du gorille. La levrette. La brouette japonaise. La brouette japonaise. Every step is moving me up. Moving, it's moving me up. Every step is moving me up. Moving, moving me up. Each tiny, tiny move
It's all I need, and I jump over. Every step is moving me up. Moving, it's moving me up. Ça a l'air compliqué, hein. Ça a l'air beau, gros un peu. Du coup, je change de liche pour un liche de 7 pieds. Toi, tu vas prendre quoi comme board et comme liche? 6-8 et 7 pieds. I think it's big, eh? Big and solid. 1-2 waves, I'll be happy. Hopefully, there's not too many bumps. So let's see, we have to try anyway. So. Ouais, laisse tomber, comme il fait froid. C'est sur la plus froide ever. Coldest session ever. One of the coldest days of my life surfing, for sure. But for me, the worst thing was when we were going out at the all that water moving. I didn't know if there was like 15 feet or like, you know. I was like, fuck, this is maybe not the right decision to do. You know? I told you, I take one and I leave. Mais non, on a fait des petits canards. Ouais, moi je suis allé explorer les fonds. Et écoute, j'ai pas vu grand chose. Je me suis concentré sur mon apnée. Et puis voilà, j'avais un moment la tête en bas, la tête en haut. Le brouillard surréaliste. Tu rames, t'es ébloui, t'as l'impression d'être je sais pas où. Et tu sais pas à quelle taille il y a en plus. Est-ce qu'il y a 1m50, 2m, 2m50, 3m. Et puis tu rames, et t'es dans le fog, enfin dans le brouillard. Et avec la lumière, t'es ébloui, t'es perdu au middle of nowhere. Every step is moving me up. Moving, it's moving me up. Every step is moving me up. Moving, moving me up. Each tiny, tiny move is all I need, and I jump over. Every step is moving me up. Moving, it's moving me up. Thank you.
step is moving me up. Moving, moving me up. Every step is moving me up. Moving, it's moving me up. Each tiny, tiny move is all I need and I jump over. Every step is moving me up. Moving, moving me up. I'm super happy. I'm a big fan of you guys, so I'm stoked. Yes, thank you very much. Same for us. Oh, bye. What is this? Look to your right. It's credit card. Oh, okay. Okay. What is that? What's a van or a camper? It's a camper. It's a camper, yeah. I thought it was a gift. I was like, fuck, I'm gonna... Spend your money now or what?